subtilité qu'est l'art, selon leur interprétation ou leur anticipation des mots écrits. Bon ou mauvais, le besoin de ces magiciens des mots n'a nullement besoin d'être lu, mais se doit impérativement d'être accouché en texte. Vous, que vous aimiez ou non, ce besoin se doit d'être exprimé. Que vous le compreniez ou pas, ils ne cesseront de composer. Peu importe l'art, l'artiste vous en fait part. Sans absolument apprécier son art, respectez-le.